première fois toute histoire pays ça, une femme a monté comme vice-président avec possibilité pas jamais connaître qu'a vienne président. En plus de ça, c'est une femme qui sorti dans minorité dans pays États-Unis, papa c'est jamaïcain, maman c'est indienne, li fête aux États-Unis qui c'est tout un symbole et de diversité et ethnique culturelle et qui forme grande nation, ça qui est nation américaine là. Et président Biden qui pourrait entrer à Soya Washington d'après information pourquoi d'ici arriver mais supposé arriver à Soya pour prêter serment demain à midi l'a quitté fief li dans Delaware là pas capable kebe de l'eau dans yeux l'elle t'a dit Delaware au revoir tout à l'heure et excusez-moi parce que me grand pile émotion l'aime m'a mourir moi voulais pour Delaware rester dans cœur c'est ça et président tout neuf en pays États-Unis qui t'a et bloc t'a sorti dans jeudi pendant discours adieu li t'a fait jeudi à dans fief li Delaware et li quitté direction Washington alors fief là c'est Wilmington dans Delaware et avec voile il était presque pas capable et puis l'autre a sorti dans yeux en pile émotion on va prendre direction capitale fédérale là et côté demain à midi tapant la prête serment et comme ça l'a venir 46e président américain et l'a participé à soirée non cérémonie qu'a fait pour un hommage by 400 000 moun qui mouri en bas coronavirus les derniers chiffres autorité et santé dans pays États-Unis by pour journée jeudi et démocrate là saluer tout le monde dans état et qui se fief li à Delaware et qui tout le monde dans état connaît parce que pendant plus que 35 ans les sénateurs il toujours prend train même train pour aller Washington il retourner chaque jour la Kylie et il était déjà bail une piscine dans ville là pour ensemble avec train parce que il tellement symbolisé li et c'est dans ville ça il grandit et c'est là tout plus fort campagne était organisé et pour venir et président et à ça te bay param yon foyer ak yon travail c'est et à ça qui te montré moi-même frère moi avec sœur moi et nous capable accomplir tout ça que nous voulons d'après sa président élu déclaré d'abord nous connaît ni battre Donald Trump c'est pas il pas de prévoir ça et puis l'elle a dit ça il pas capable kembe de l'eau dans gel et dans gorge dit il te gen sanglot excusez-moi pour émotion mais la mouri Delaware a toujours été dans cœur et dans cœur tout membre famille d'après ça il dit avec un peu de difficulté et futur président américain dans moins que 24 heures de temps t'a prononcé discours ça un seul regret moi gagné c'est que petit garçon beau mourir en cancer dans tête et il pas là et c'est lui-même qui était doué président nouveau président états-unien d'après ça il dit et alors que Donald Trump passé dernier journée total capital lit et plein activité dans maison blanche là jeudi avant grand bonheur demain matin lui avec Melania Trump y a quitté capital là direction Floride moi honoré et moi très honoré d'être que moi prêt le prochain président nous et d'être que moi le commandant en chef l'armée m'a toujours été une petite Delaware. M'a toujours fier de ce que c'est petite Delaware. C'est ça président élu a déclaré et dans fiefli côté il était arrivé Delaware à l'âge 10 ans. Il était fait dans l'état Pennsylvanie mais famille était arrêté Delaware. Moi connais que n'a traversé des moments qui sombres mais toujours gain lumière qui était. Ancien vice-président Barack Obama et expliqué choix historique il était fait pour te venir avec Colistia qui donc candidate pour place vice-président à Kamala Harris qui sont sénatrice et qui a venir demain première femme dans toute histoire pays États-Unis qui a venir vice-présidente mais tout première femme qui pas en blanche qui c'est une noire et d'origine indienne et jamaïcaine qui va occuper fonction ça pas dit que bagaille yo pas qu'à changer c'est ça Joe Biden dit. Oui, bagay yo capable changer et yo changer, c'est ça l'Amérique, bon, les États-Unis, c'est ça Delaware, c'est ça le dit dans finissement discours là. Joe Biden a privé dans commencement soirée dans Washington pour avec futur vice-président là madame la vice-présidente Kamala Harris pour honorer mémoire 400 000 monde
qui presque un demi-million de monde, c'est inimaginable, qui mourit en bas COVID-19 là, dans le pays États-Unis. Bien entendu, on a retourné plusieurs fois sous investiture Joe Biden dans le journal ça. Par exemple, il y a des détails sous Bib, la prêté serment demain, ni Bib par là, ni Bib par Kamala Harris, non. Et détails tout sous couple Trump-Lan qui a quitté Washington de matin, bien bonheur, d'après ça, il a annoncé. Mais la vie de la Kaipanon, qu'on y est là. Et Citin, un groupe citoyen qui présente tête comme citoyen engagé, d'après ça, on dit, t'es à le faire devant Paporte résidence en premier ministre, joute, pardon, c'est résidence tout premier ministre, mais lui-même, quand il a déjà un gouvernement de facto, non, Musso, et pas mobiliser en pile monde. C'est sous thème, ça, question sécurité, hein, groupe citoyen, ça a été cassé, rendez-vous, journée jeudi, hein, et pour protester contre un phénomène insécurité kidnapping dans moment on a parlé là une jeune fille dans zone Thomasin yo kidnappé devant la Kaili et kidnapping dans c'est pas une journée ou pas attendre yo kidnapper un monde et pour demander autorité yo prendre responsabilité yo c'est pour ça yo té al faire citine devant Paporte premier ministre et manifestant yo qui pat en pile et pendant cette étape a déroulé et qui pas de faire qu'un désordre qui était très pacifique mais ça pas t'empêcher la police qui recevoir l'ordre pour pas quitter citoyen exprimer te bien à gaz lacrymogène et pour te gailler groupe moun sa yo qui était dans la rue hein. En après yo t'après le retourner rassembler yo après et la police te fin voyer gaz n'a pas de qui genre ambiance dans teye dans occasion citine ça devant résidence premier ministre. Alors, on a confirmé, nous c'est toujours bien, on a confirmé ça, ça nous passe. Après ça, monsieur. On a confirmé que nous c'est toujours bien. Son milice qui là, son milice qui là, nous baguions de police qui a sécurisé nous, qui a protégé nous encore. Yon citine qui a fait pacifiquement, par son monde qui a représenté un danger pour les policiers. Par son monde qui a représenté un danger pour la société là. Faut citer pacifiquement, hey. Je tire par le réel, hey. Je tire gaz lacrymogène, je tire par le caoutchouc sur nous. Je dis là, nous pouvons constater à clair que la police est politisée. La presse est que chemise nous, on deux pantalons nous. Est-ce qu'elle a des armes sous nous? Est-ce qu'elle nous dit nous kidnapper les gens? Nous venons dire non, nous ne pas voulons kidnapping. C'est sous nous la police qui est force. Nous connaissons la police là, qui est force, sous bon ennemi. C'est Joseph Benamina. Voilà, c'était un bien ça qui te gagné, Ralph Emmanuel François, c'est lui-même qui te lit message final là dans cadre sitting ça, de critiquer autorité yo qui pas bail la vie mon en quelle importance et lui mandé à la tête CSPN non, travail n'a cité pour améliorer condition la vie population, n'a attendé citoyen Ralph Emmanuel François qui te parlé comme ça dans micro. Chaque jour qui a passé, nous réaliser la vie moun, pas aucun valeur dans pays ça encore. Autorité yo refusé sensible ak ça. Kidnapping ak insécurité a fini avec nous. Grand moun nan la peine, ti moun nan la peine, nous pè marché, nous pè sorti, nous pè même les nou an dans la caille. Nous refusé d'accord continuer vivre comme ça. Nous vinn là pour nous vinn di pour faire nous tout mal. Nous besoin vivre à quai posé. Mais c'est triste en 2021, nous obligé à vinn faire site, vinn faire manifestation, faire mouvement pour nous commander pour nous vivre, pour nous commander, pour nous respirer, pour nous commander, pour nous gagner droit, pour nous marcher dans la rue. C'est pas pour ça sans cette nouveauté de travail. C'est pas pour ça Haïti t'est créé tant que pays. Qui sens à raison d'être politique, la vie moun pas qu'à priorité li. Si c'est pas bien même moun qui objectif li. Je dis à pays a bien marché seulement pour chef yo. Nous même nous la gué des bras ballants. Personne ne peut veiller sur nous. Qui ça qui fait avec l'argent taxe n'a payé yo. Politique doit servir, doit outil qui servit pour améliorer bien-être moun. Premier ministre, souke kou, montre ou utile yon bagay. Ou même qui chef CSPN nan, pa paye a minimum ça. Sécurité c'est un droit, vivre c'est un droit. Aba kidnapping, aba insécurité, qui va Haïti. C'est yon citoyen qui était dans manifestation qui t'a appelé dernier ramassé qui pour te traduire l'idée, ça les messages final là et groupe ça qui t'est cassé rendez-vous jeudi et contre insécurité devant Paporte premier ministre. Sous Bopal, économiste Edzer Emile, qui c'est une personnalité qui a lancé mouvement ça et qui a appuyé et déclaré mouvement ça, c'est pour dire l'État, l'État y a vivre là, je ne dis pas dans le pays, il n'y a pas bon.
li montre nécessité pour toute société a montrer au concerné dans ça qui a passé dans pays a coordonnateur ligue organisée contre l'injustice en Haïti a on leur parle Nixon Attis dénoncer institution qui pas jouer rôle comme ça doit selon lui-même pas gain aucun monde qui épargné dans ça qui concernait insécurité kidnapping qui donc lui mandé tout citoyen lever camper pour forcer autorité pour prendre responsabilité yo une après l'autre n'attend économiste Edzer Emile ak Nixon Attis qui te parlé comme ça dans micro c'est l'état que nous avons vivre parce que il pas faut aucun sens en 2021 pour obliger à faire sitting pour commander pour vivre donc pas aucun pays du monde qu'on bail comme ça fait sens mais le cas par Haïti c'est dans ça nous donc nous pensons que jodi a l'important pour que un groupe de monde senti que yo bouqué avec situation pays a yo pas capable vivre encore et ça pas il pas gon rapport avec tel monde yo prend tel monde yo pas prend que toute société a supposé senti que yo concerné par ça qu'a fait là et ça qui dérange nous c'est que l'État est insouciant, l'État est indifférent par rapport à la population. Donc c'est pour ça que même là que vous attendez, nous continuons à protester, nous continuons à exprimer tout ce que nous sommes capables. Nous ne pouvons pas vivre encore, nous bouquons avec kidnapping, avec insécurité dans le pays. Fondi par rapport avec dégénérescence institution, par rapport avec insouciance, indifférence, responsable l'État. Nous-mêmes, nous croyons que comme peuple qui fait choix de démocratie depuis 29 mars 2027, nous avons une responsabilité pour nous assurer garantie bonne marche institution. Et nous tous connaissons que la démocratie, une base, c'est valorisation des institutions et le respect scrupuleux des lois et des droits fondamentaux. Donc nous-mêmes nous disons aujourd'hui là, face à déliquescence ça, face à insouciance ça, nous disons comme citoyens, qu'on est dans la cave, qu'on est dans l'église, qu'on est dans une forte dans l'école, ou pas exempt de actes d'insécurité qu'a fait là. Eh bien nous disons que même Jean-Martin Luther King dit, il faut qu'on ait raison pour mourir, même j'ai une raison pour vivre. Eh bien nous disons que nous retenons pas manger n'a mourir, que nous mangeons n'a mourir, que nous étions passifs n'a mourir, que nous étions actifs n'a mourir. Donc on fait ce choix de ne plus rester à la maison pour nous dire responsable policière, responsable judiciaire jusqu'à CSPN qui gagne comme président premier ministre Jout pour prendre responsabilité par rapport à dégénérescence qui dans nos insécurités criant ça kidnapping que tout le monde par exemple de l'IA qu'on a la presse qu'on a l'église qu'on a l'école qu'on a famille et bien nous mêmes nous dit comme citoyens nous avons responsabilité pour nous camper pour nous dire démocratie pas dormir dans la même chambre avec insécurité avec impunité. Voilà, c'était organisateur Sitting Sam, de l'économiste Edzer Emile, et puis c'est responsable coordonnateur organisation que les ligues organisées contre l'injustice en Haïti, et l'OIH, Nixon Attis. Et puis il y a ancien magistrat Kafwa et Yvon Jérôme, qui demandait chef CSPN, qui donc premier ministre, non, Joseph Jout, pour prendre responsabilité face à la situation insécurité, qui blaye tout partout dans le pays. Responsable tout programme dans RNDDH, Madame Rosie Auguste, et dit présence li dans cadre sitin ça c'est pour l'accompagner moun nan population qui a dénoncé phénomène insécurité et qui a exprimé sous diverses formes dans pays a. N'a tande yon pa ancien magistrat à commune Kafwa Yvon Jérôme et responsable programme dans RNDDH ta Madame Rosie Auguste qui te parlé toujours dans micro. Pour estimer que pour premier ministre, nous venons dire leader bouche à oreille pour responsabilité. Non mais écoute, il est chef de gouvernement, il est chef CSPN. Ok? D'ailleurs, effectif la police, on prend exemple clair. C'est dans le périmètre là, la bagaille a fait. On prend zone métropolitaine. Presque toute unité existe. Nous avons deux, dans la question de technologie, nous avons deux compagnies téléphoniques. Hein? Alors qu'il n'a pas, il prend temps, il négocie, il communique, il fait tout bagaille, donc pas de conditions préunies. Pas j'aime bon réponse qui bail à question kidnapper. Pas j'aime bon position naturelle. Président Joul passe instruction. Bon, on passe instruction, pas grand effet. Nous demandons au premier ministre, encore une fois, comme chef à pouvoir transversal de décision pour le bon l'autre comportement. Si le cas dépassé, que le président démissionne. Dans le cas contraire, lycée chef qui a dirigé tout l'État, tous les kidnappeurs, ce sont des employés de proximité de l'État. Présence nous, je ne dis pas, c'est pour dire.
et autorité yo que je ne jodi a nous dans une situation d'insécurité pays a invivable situation intenable et donc nous là justement pour nous dire que avec population nous bon côté yo et nous aider au dénoncer question insécurité a et pas oublier que là n'a parlé de insécurité nous pas seulement parler de kidnapping n'a parlé tout de un bon monde qui a mouri assassiné au grand jour des cas spectaculaires d'assassinat qui a fait et donc nous obligé bon côté population qui a dénoncé situation ça et c'est ça qui expliquait que je ne jodi a nous là et en ce qui a trait à journalistes qui a victime nous même nous camper bon côté journalistes tout dans cadre programme monitoring nous. Voilà, c'est madame Rosie Auguste responsable programme dans NDDH qui était parlé en dernier avant ni c'est ancien magistrat commune Carrefour Yvon Jérôme dans cadre mobilisation ça dans mi-temps citoyen en pile fois qui paraît abdomi et là que c'est pas et famille directement mon proche yo et qui victime et dans cadre insécurité généralisée qui gen dans pays a qui semblait sous compte deux dégouts de l'eau à qui une politique publique l'état a mette en application qui sont espèce de terrorisme d'état contre propre citoyen parce que chef yo l'heure dans l'arrière il y a passé ou même c'est rangé quoi pour pas passer machine noire sous ou parce que yo ka passer sous ou et yo pas besoin connait qui ça fait l'arrière bloqué qui ça fait l'autre pour ne pas passer c'est yo même seulement qui gagne droit c'est avec mentalité chef ça n'a vivre une mentalité féodale et qui mettait nous là parce que c'est pas une mentalité de servir c'est pas une mentalité et de et, comprendre, maîtriser, saisir problème yo et aller au-delà ti bien-être et ti privilège personnel. Ce privilège personnel là, c'est lui-même seulement qui domine et n'a pas gardé comportement autoritaire. Est-ce que ça jamais arrivé non on l'a pour nous en blocus depuis une heure de temps, deux heures de temps et puis un cortège machine chef a passé pour t'avoir yon monde descendre pour connait ça fait machine pas qu'avancer. Non, yo force au mettre sous côté pour passer yo même y aller. Donc yo s'en fout de où. C'est dans niveau ça l'état lié en Haïti. On vini quoi lié la mobilisation dans mi-temps opposition plurielle qui prouvait l'encore journée aujourd'hui parce que t'ai plusieurs conférences pour la presse qui t'a bail plusieurs côtés annonce que tout pour attendre pour gagner une gros coalition solide là qui paraît avec un seul projet semblait attendre toujours. Direction politique opposition mandé population participer sans garder derrière dans journée mobilisation yo prévoit demain dans cadre série mobilisation k'ap fête qui doit bout dans date 7 février 2021 qui c'est date constitutionnellement mandat Jovenel Moïse fini et gon message pour délivrer devant ambassade américaine et pour nouvelle administration k'ap entre en fonction demain avec nouveau président Joe Biden et avec vice-présidente Kamala Harris. Et yo pral dénoncer le fait que administration qui pral aller et Trump républicaine nan te camper derrière pouvoir tête calé a quel que soit salte fait dans pays. Et dans conférence de bail pour la presse jeudi dans local parti fusion, sénateur Nenel Kassi déclaré il a profité moment ça pour rappeler nouveau président Joe Biden déclaration il était fait concernant démocratie et d'après ça il rappelé sénateur Kassi te tout profiter bail parcours manifestation et k'ap gen plusieurs points rassemblement demain n'ap tandel nan conférence pour la presse. J'en toujours dit là, c'est corps politique. Là. C'est des dirigeants de partis politiques mélangés avec des organisations qui ont milité sur l'échiquier politique là et qui prennent responsabilité pour accompagner le peuple là. Et c'est dans ce sens là, commission de mobilisation d'IPOD là, l'hypothé tout soutien, tout support par le mouvement qu'a fait demain. Il y a un mouvement qui peut dire avec les États-Unis, communauté internationale là, que nous-mêmes, au niveau d'IPOD, nous-mêmes, peuple haïtien, nous décidons d'un engagement pour nous protéger. Non seulement la constitution pays a, mais pour nous protéger la démocratie. Nous changer président Biden te font tweet. Il te dit que la démocratie c'est nom nation. Et c'est dans le même sens là, nous-mêmes, dirigeants politiques, dirigeants organisations, nous tous, peuple haïtien, nous voulons à réitérer ça devant l'ambassade américaine. Nous pas prendre pour nous comme si n'a pas tête non comme nation pour nous dire c'est les États-Unis qui a dirigé. Non, nous voulons à dire les États-Unis. Question pour y supporter dictateur, question pour y supporter monde qui a fait massacre, qui a fait crime en d'un pays et qui pas respecter la constitution pays, ça sera
CETA pour ça fini. Et c'est dans ce sens-là, moi crois que l'occasion 20 janvier, lycée voisin 7 février 2021. Même gens moi a goumé pour faire démocratie triompher l'autre bois, en mais nous même n'a goumé pour faire démocratie triompher en dans pays. Parcours assez champ de masse, tout le monde a rassemblé champ de masse, monde cap sorti Kafou, cap sorti Kafou fait, cap sorti Belle etc. tout bande tout groupe cap sorti yo, il y a descend champ de masse, il y a monté sous la rue, il y a viré en bas lumière rouge et là a bien station, a déjà un groupe qui l'a déjà, tout partisan a yo, tout l'autre groupe monde et Dipot etc. il y a déjà en bas lumière rouge et il y a dirigé au sous la zone, yo pral rejoindre tout le monde en bas Kafou aéroport en bas Kafou résistance et moun kap sorti Pétionville a descend sous auto Delma, il a ramassé tout le monde et moun kap sorti de Kadou Badelma a vini en bas Kafou dans Kafou aéroport et tout le monde qui de Kadou Kwa de Bouquet Tabac etc. tout le monde ça yo y a rejoint dans Kafou Rita, tout le monde a plan pour rejoindre ensemble avec nous. Conférence pour la presse dire pod qui c'est direction et politique opposition démocratique là sénateur Nenel Kassi et n'attend des dirigeantes fusion et madame Edmond Supplice Bozil qui critiquait façon administration tromplan supporter Jouk Dambout équipe tête Kalea à la tête fusion mandé tout le monde qui pas d'accord avec façon régime tête Kalea a peine bac pays pour venir participer dans manifestation. Ancienne sénatrice Edmond Supplice Bozil fait connaître, il y a pas profité moment ça pour dénoncer pouvoir tête Kalea qui sous pouvoir qui a servi à kidnapping comme une politique publique tant qu'un outil pour fermer bouche tout monde qui opposé à yo. N'attendez Edmond Supplice Bozil et présidente Fusion Social Démocrate Haïtien dans conférence pour la presse. Nous dit peuple haïtien au causé demain c'est vrai c'est pas la caille nous fait la fête bon fête qu'a fait caille en pays voisin au pays voisin qui fait gagner au président qui te traité nous de shithole country c'est fait mandat le même li a pralé gion l'autre administration qu'a vini administration qui passé a dans gens au conduit diplomatie en Haïti au fait nous ouais cette couleur la ciel peuple haïtien doit comprendre que demain c'est pas fête n'a fêté mais faut prendre la rue ensemble pour nous mêler voix nous avec tout le monde qui subit violence sous pouvoir ça pour nous mêler voix nous avec tout le monde qui gagne famille qui kidnappé kembe jour journée jodi tout le monde G9 et allié kidnappé tué toute famille ça yo suspendu ou pas ça pas garder ou c'est pas ou même qui prend coup nous mandons demain nous tout pour nous lever voix nous ensemble pour nous marcher pour nous envoyer un message by nouvelle administration nous prenons les camper devant l'ambassade américaine pour nous lire un message pour nous dire nouvelle administration qui a venu à démocratie nous bouquer vivre sans dignité gens pouvoir actuel là a conduit bac pays nous bouquer vivre avec moun qui fait de kidnapping non yo outil politique pour le fermer bouche opposant nous besoin mêler voix nous ensemble étudiants marchand chomeko professionnel santé professionnel droit tout cause social yo nous mandé lever voix à pas nous même comme politique parce que journée jodi a nous dit nous vinn supporter toute organisation qui lance manifestation et nous même nous des manifestations mais ou pas cacher la caoua croiser bras parce que ou pas senti douleur moun yo kidnappé parce qu'on paraît la saline parce qu'on paraît pont rouge parce qu'on paraît belin c'est pas où yo coupé avec manchette c'est pas où même yo boule caillou mais il y a boule caillou partout quand ça autorité il y a privé sous oui sous pas campé ou même tout jeune femme jeune garçon sont pas campé demain ensemble main dans main pour aller reler en moué dans toute la rue Port-au-Prince pour reler en moué nous bouquer Jovenel Moïse pas attendre ça me connaît que pas qu'attendre mais n'a reler pour que décide monde qui mettent lio ville madame fini n'arrête pas que tout 7 février 2021 c'est ça nous pral dire tout parcours manifestation et nous mandé tout peuple haïtien dans quatre coins pays mais les voix nous pas nous même politique pour nous dire Abraham c'est assez. Dirigeant Fusion Edmond Supplice Bozil sous bois parle toujours dans même conférence pour la presse dirigeant Vérité à Génard Joseph ak ancien sénateur John Joel Joseph mandé tout citoyen conséquent pas hésiter vinn participer dans manifestation ça k'ap fèt demain pendant y a tout profiter déclarer mobilisation demain mercredi 20 janvier a permettre mandé nouvelle administration américaine nan pour pas supporter Jovenel Moïse sous pouvoir. N'attend des dirigeants Vérité à Génard Joseph ak ancien sénateur l'Ouest John Joel Joseph toujours dans même conférence pour la presse qui s'est déroulée dans local Fusion.
Objectif là, sont 20 pour 20. 20 janvier, c'est côté effectivement nouvelle administration américaine. Eh bien, pour le monde, t'es une administration qui est là avec Donald Trump. Il était traité haïtien de tout le monde. Elle était tourné bois des bonhommes régime corrompu sans pareil ça. Administration ça, il ferme les yeux sur un régime qui marchait sous toute loi pays. Il ferme les yeux sur un régime qui massacrait le monde dans presque tous côtés dans le pays. Régime ça, ancienne administration qui est là sous Donald Trump là, les premiers yeux sous Jean administration Jovenel Moïse là, gangsterise le pays, mettez de l'eau dans les yeux tout haïtien, avili pays, craser toute institution dans le pays. Elle te joint toute bénédiction ça clairement, surtout nommé administration Donald Trump là. Et bien, objectif ça, nous venons dire très clairement que l'administration président Biden n'est pas capable d'accepter qu'elle vienne pour aux gens ou en l'autre pour ta fermer les yeux, pour ta soutenir au régime aussi corrompu. Les Haïti ont un problème. C'est tout pays dans la région qui a un problème et surtout les États-Unis. Administration démocratique, Haïtiens attendent qu'ils ont fait preuve, qu'ils ont respect pour le monde, qu'ils ont respect pour Haïti, pays maman liberté, qu'ils ont respect pour chaque haïtien qui a vécu sous bout de ça. Yo même qui t'a vivre à distance souffrance peuple haïtien, yo même qui t'a observé et qui victime tout parce que en pile nan yo les ont décidé entrer en Haïti puis yo vinn passer un petit vacances et bien nous connaît en pile là-dedans yo kidnappé en pile là-dedans yo assassiné yo parce que yo t'ai accepté vinn wè famille en Haïti et yo pa rete croisé bois yo même tout yo té impliqué yo nan bataille pour faire respecter droit moun en Haïti yo même tout yo répond présent à travers mobilisation qu'a fait non seulement en Haïti mais yo mobilisé tout nan diaspora yo mobilisé dans Canada aux États-Unis en France en République Dominicaine Chili, diaspora répond présent. Et aux États-Unis, puisque tu as une élection pour changer l'administration américaine, mais nous sommes capables, ouais, avec un engouement haïtien qui a vu dans la diaspora, vous te levez camper, vous participez dans l'élection et vous conditionnez présence pour que la nouvelle administration américaine soit capable de supporter la démocratie en Haïti, mais pas supporter corrompus, assassins, criminels, sans foi ni loi. Nous reconnaissons que Biden a fait un acte de présence dans Floride. Et bien, te mette à genoux devant diaspora haïtien. Parce que dans l'administration Obama, yo estime que des mal yo te fait avec Haïti lorsque yo te commencé par eux-mêmes à supporter pouvoir PHTK qui c'est un pouvoir corrompu et nous connaît Biden te vice-président la donne. Il y a un pile reproche de diaspora dans Floride yo. Et il te mette à genoux devant yo pour dire yo la prend responsabilité en main pour la renforcer. Démocratie en Haïti. Renforcer la démocratie en Haïti, c'est dire non avec violation de l'homme, c'est dire non avec kidnapping qu'a fait en Haïti, c'est dire non à corruption qu'a fait en d'un pays, c'est exiger que Jovenel remette mandat qui finit le 7 février 2021 selon article 134.2 Constitution. Donc, administration Biden, non, à travers équipe qui t'a coordonné campagne, et bien, yo prend conscience de ça qu'a passé en Haïti et yo promet, yo parle renforcer démocratie et démocratie qui était bourgeonnée, mais le pral continue à fleurir. Voilà, c'était premier dans série conférence pour la presse. Ça, c'était conférence pour la presse Dirpod. Tebay jeudi dans le local Fusion, dedans des sénateurs Nenel Kassi et sénatrice Edmond Suplice Bozil et dirigeant Vérité Génard Joseph et puis avec ancien sénateur. John Joel Joseph n'a venu puis devant avec l'autre rendez-vous l'autre organisation et dans opposition dans quatre mobilisations qui annoncé qui debout 7 février 2021 côté pays après constater mandat Jovenel Moïse fini. N'a pas tout encore dans actualité internationale là puisque Trump a quitté Maison Blanche non nous capable de tête en bas en déconfiture totale capitale. Un politicien qui était toujours soutenu pendant 4 ans, la gueule, historiquement, je dis à nos discours qu'il fait dans le Sénat, il fait qu'on ait attaque qui fait sous Capitole là, qui c'est Parlement américain, Donald Trump, c'est lui-même qui était voyé, full monde à attaquer Parlement, c'est ça, un allié influent qu'elle te gagné dans le Sénat, qui était toujours géré tout dossier en faveur, n'a parlé de chef républicain, sénateur Mitch McConnell,
qui prend distance li ak Donald Trump, li désavoué publiquement officiellement dans un discours jodi a Mitch McConnell qui c'est youn nan sénateur pi influent qui gagne dans Sénat américain comme républicain estimé partisan Donald Trump yo qui t'est envahi Capitole là 6 janvier qui s'est passé là c'est après yo t'es fin gavé yo en bas menti yo toy cerveau ak un bon menti les fini yo poussé du feu voyé yo al agi et qui est-ce qui t'est voyé yo président américain même d'après ça Mitch McConnell dit foule yo fin abreuvé là bas menti et puis après ça yo incité pour agir président et souffler du feu le fait yo al agi mais gen l'autre monde puissant tout qui tenant manœuvre là d'après ça le dénoncer dans discours officiel du fait journée jeudi parmi monde qui pi allié qui pi solide milliardaire républicain te gagné dans parlement américain Mitch McConnell qui parlait comme ça et qui te prend distance déjà depuis événement 6 janvier yo avec Donald Trump gens que divers médias te rapporté républicain lui même fait connait après et au fin mette président en accusation d'après avoir c'est lui-même qui te voyé vin attaquer l'état américain li pas et retirer possibilité pour li coupable pour juger le coupable pendant procès et sénat après le faire contre lui ou songe c'est lui qui te sauvé Trump et concernant première destitution dans discours fait journée jeudi a li dénoncer des criminels violents qui essayaient pour te empêcher congrès à faire de voile l'été vini pour te empêcher session et certification élection 3 novembre nan te fait et d'après ça il continue pour dénoncer yo te empêché pour te certifier victoire Biden nan pour place président yo essayé pour te servir avec la Perez pour te servir avec violence pour te capable interrompre bloquer procédure là mais nous river préserver tout ça d'après ça sénateur McConnell déclaré et il dit président démocrate là Joe Biden a prêté serment demain Jean que ça prévoit dans constitution non d'après ça il dit après ça n'on va continuer pour avancer c'est toujours Mitch McConnell qui a parlé et nous allons travailler pour peuple américain d'après ça il promet démocrate Chuck Schumer et qui pral venir en place McConnell là il pral remplacer puisque démocrate a remporté la victoire deux sièges et il remporté dans Georgia en fait que il a majorité dans Sénat li partager et discours McConnell là et analyse différents de situation et depuis dernier événement yo il fait connait son série de monde qui devine faire émeute une série de monde qui était sorti pour mettre pays à tête en bas de suprémaciste blanc avait dit de raciste qui dit c'est blanc qui pis bon c'est blanc seulement qui doit exister sur planète là l'autre monde pas rien de terroristes intérieurs dans pays États-Unis qui était essayé empêcher transfert pouvoir fait yo était poussé du feu yo te voyé yo et c'est président américain même qui te voyé en personne qui te voyé pour te vin agi attaquer parlement qui doit attaquer l'état attaquer gouvernement fédéral là mais yo échoué d'après ça le dit et transfert pouvoir pacifique transfert flamboie l'a fait demain tant que ça a fait depuis plusieurs générations d'après ça sénateur Chuck Schumer futur président sénat déclaré présidente dans toute histoire pays États-Unis et pas n'importe qui femme, une femme qui sorti dans minorité dans pays États-Unis qui symbolisait diversité américaine non puisque maman c'était indienne, papa jamaïcain. Kamala Harris. Mais juste avant nous retourner faut que nous dit malgré tout ça, planète la continue à virer et gain l'autre côté gain événement qui a passé. Et fois ça nous pour aller en Afrique du Nord dans Maghreb là côté situation chauffée depuis plusieurs jours là dans pays Tunisie qui gagne 10 ans depuis te débarrasser de youn dictateur piféros qui te gagne dans pays ça corrompu et peuple en arrivé joine bout li mais jodi a son peuple frustré qui dans la rue surtout jeune yo puisque yo dit élite corrompu pays a confisqué et victoire yo et yo a manifesté et continuer manifester manifestation reprendre à soir dans Tunis capitale pays Tunisie après plusieurs nuits violence alors que colère a grondé concernant difficulté économique peuple ça a fait face depuis quelque temps c'est tout système nan qui doit changer et nous a retourner dans la rue encore
et nous ap reprendre droit nous à dignité que élite corrompue et yo confisqué dans men après révolution. C'est ça Maher Abid, une manifestant qui pas travail, qui nan chômage déclaré. Alors que Tunisie t'a préparé pour la commémorer 10e anniversaire depuis ça les révolutions Jasmin ont été faites, on sait tout mouvement que t'ai gagné dans Maghreb blanc et c'est Tunisie qui t'a déclenché. Après t'es fin mettez à Tezine Al Abidine Ben Ali, lui même à toute famine qui t'est possédé pratiquement tout pays a ben en corruption jouk dans dernier brin cheveux dans tête yo. C'était 14 janvier 2011 événement ça t'est passé. Monsieur t'est sauvé à bon avion, il a atterri dans pays Arabie Saoudite qui t'est bali l'asile. Alors que il t'a fait gros gorge, t'est fait connait li là, li a vie par un monde qui camain. C'est tout temps là vous avez fait bandage, c'est tout temps soleil pas levé. Donc peuple a été levé et il est arrivé joindre bout monsieur. Et ça t'est souqué toute zone. Eh bien gouvernement avec coronavirus dans tout parce que faut nous dire en pile gouvernement servi à coronavirus là pour faire politique, en pile fois confinement tout c'est pour empêcher peuple yo sortir dans la rue manifester. Depuis 4 jours gouvernement brandi zam ça et coronavirus dans Bali pour faire confinement, je ne dire pas prendre la donne. Yo pap kite ou ferme ou nan kay, même si gen coronavirus, yo nan la rue. Yo défié nouveau président, yo défié tout système nan. Et côté gouvernement, li même li renforce mesures couvre-feu, yo te déjà mette en place pour bataille contre épidémie coronavirus nan, et puis qui interdit manifestation fête. Pendant yon discours li tap fait nan télévision, Hichem Mechichi, qui se premier ministre tunisien, dit que li comprend kolè population par rapport à situation catastrophique, situation économique là, côté en pile monde pas travail, en pile monde perd du travail yo, li comprendre surtout collège jeune yo qui a grondé dans tout pays a, mais le fait connait violence là, yo pas capable accepter dans gouvernement. En entrer la caille pa nou, commission mobilisation pour respect constitution qui regroupe plusieurs organisations politiques dans opposition à dans société civile là, annoncé mobilisation pour journée demain mercredi 20 janvier qui se date nouveau président américain a installé demain à midi exactement Joseph Robinette Biden dit Joe Biden et c'est devant ambassade américaine et dans Port-au-Prince le cassé rendez-vous et pour avoir un message by nouveau président américain qui pourra entrer en fonction demain pour pas supporter équipe en tête calé qui sous pouvoir qui était jeune appui sans garder derrière administration Trump-Lan. C'est ça non conférence pour la presse, yo dénoncé porte-parole secteur démocratique et populaire maître André Michel fait qu'on est yo déjà notifié la police concernant la rue à prendre demain et vont pinga tout by la police pour pas faire répression sur monde qui dans la rue alors que bon côté parle sénateur Yuri la Tortue à la tête AAA fait qu'on ait manifestation ça objectif lui c'est mandé nouveau président américain Joe Biden respecter promesse lui par rapport à politique américaine nan te dit qu'a changer par rapport à Haïti yon après l'autre n'a pas des porte-parole secteur démocratique et populaire maître André Michel et ak dirigeant AAA sénateur Yuri la Tortue conférence pour la presse Joubert Joseph te couvri pour Radio Kiskeya. Demain mercredi 20 janvier 2021, a gagné gros journée mobilisation nationale. C'est pas seulement Port-au-Prince qui a gagné manifestation, mais disposition déjà prend pour des manifestations dans le Grand Nord, dans la région transversale, c'est-à-dire la Tibonite, la Plateau Central, et pour des manifestations dans le Grand Sud, toute disposition déjà prend et la police nationale d'Haïti comme institution républicaine de maintien d'ordre, dit déjà alerté que a gagné manifestation un peu partout à travers le pays et nous espérer encore une fois, nous espérer, m'a dit encore, que la police nationale d'Haïti a sur place pour garantir l'ordre public parce que la police, ce n'est pas une milice gouvernementale, c'est une police républicaine, une responsabilité constitutionnelle, une responsabilité que la loi confie. Napsoti Chanmas, un groupe monde qui a rassemblé Chanmas, un autre groupe qui a rassemblé Lumière Rouge, la Lune, un groupe qui a rassemblé Cafou Aéroport, un groupe qui a rassemblé Cafou Solino, un groupe qui a rassemblé Bel Air, un monde qui a rassemblé Pétionville, un qui a rassemblé tout côté, de Rivé ou d'Aéroport, n'a descend, n'a fait ou d'Aéroport, n'a passé prendre monde qui Fleurio, monde qui Cafou Marassa, monde qui Cafou Rita, on a le bout devant ambassade américaine. Et demain, le message
message que nous allons porter devant l'ambassade américaine dans clair. L'île temps pour Américains suspendre supporter un gouvernement criminel qui a massacré la population. Un gouvernement qui a violé les droits de l'homme, un gouvernement qui est dans la corruption et causé corruption, c'est pas nous qui disons. Nous tous nous connaissons, non Jovenel Moïse cité 69 fois dans le dossier Petro-Caribé. Son engagement, ça l'a répété dans toute vidéo qu'on est à présent, surtout dans la Ticonie, nous avons gagné des milliers de monde. De même, dans l'Ouest, on est dans toute la Méditerranée pour que nous allions devant l'ambassade américaine. Pour qui ça, nous choisissons ça dans différentes manifestations que nous avons fait. Demain, c'est 20 janvier 2021. Le président qui est là, Donald Trump, qui perdu l'élection, Joseph Biden, qui a monté demain. Et la présidente des États-Unis à partir de midi. Le président qui est là, Donald Trump, qui a gagné en politique envers Haïti, et nous avons dit qu'il y a une politique maladie de gauche, racisme. Côté que, premièrement, Donald Trump est capable de jouer tout le peuple haïtien, qui a dit nous c'est shit goal. En plus de ça, toute politique d'affaires étrangères est allée dans le résumé, utiliser Haïti, utiliser Jovenel Moïse, qui est capable de voter, vote dans l'OEA, vote contre Venezuela, vote pour. Et on a des cafés politiques américaines. Et Joseph Biden qui était en pile engagement envers Haïti. Et c'est ça nous voulons dire que le nouveau président Sahara, que le changer politique il y a par rapport à Haïti, que le respecter, ça le dit par rapport à la question droit de l'homme, pas de corruption, et permettre l'émancipation du peuple haïtien et pour le peuple haïtien grand maître, pour le peuple haïtien souverain, la caille. Et dans ce sens, ça, nous pensons que c'est le meilleur moment pour nous porter le message Sahara. Conférence pour la presse, yon l'autre regroupement dans opposition, commission mobilisation et pour respect constitution, tenant des sénateurs Yuri Latortu, dirigeant AA, avant ça, mettant André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire. Soubois parle à la tête, CNOA, syndicaliste Dominique Saint-Éloi, qui est dans la même conférence pour la presse, allé dans le même sens, pendant d'y inviter tout secteur syndical là, tout le monde dans la population, pour y participer demain sans garder derrière dans la manifestation, ça, pour poter coller dans la mobilisation, pour forcer Jovenel Moïse respecter échéance 7 février 2021. Maître Izouik Théofé insistait sur nécessité pour toute population bataille pour la vie meilleure pendant il dénoncer le fait que son société mi haut mi bas dans domaine social nouyé pi bas que bien entendu qui gagnait et en pile différence et socio-économique dans société ça exclusion et puis avec le fait tout son pays pas gain investissement qui fait la donne pas gain infrastructure de base n'a invité écouter une après l'autre syndicaliste Dominique Saint-Éloi avec maître Izouik Théofé toujours dans même conférence pour la presse à côté Joubert Joseph était présent pour Radio Kiskeya. Des mobilisations, invitez aujourd'hui à secteur syndical là, ouvriers, paysans, tout travailleur qui travaille dans le pays, mon quartier populaire. Et merci pour Dieu, pour nous venir participer massivement dans la mobilisation, manifestation, pour nous aller sur l'aéroport. Pour nous boutons et 3 mai, nous arrivons Gérald Bataille, nous boutons Kafourita, nous boutons et Kafouflerio, nous arrivons devant l'ambassade américaine, nous prenons le bail, un discours historique. Il n'y a pas de mission, c'est dit avec pouvoir à venir. Monsieur Joe Biden, pour les suspendre, supporter corrompu, pour les suspendre, supporter voler, pour les suspendre, supporter kidnapper, pour les suspendre, supporter, ça y aurait les gangs d'État qui kembe peuple là en otage. Kweke, Nabim dans ces gros poisson liés. Salé tuberculose là, c'est régime ça qui baille pour briller. Je vous dis, estimez nécessaire pour nous faire un appel à la population. Même Jean Dessalines et dit c'est liberté ou la mort, et bien population haïtienne n'a rien pour responsabilité. Je vous dis, pour vivre la mort ou bien-être. Il faut gagner un régime qui établit bien-être pour nous dans le pays. Parce que nous estimons que le régime qui gagne depuis des décennies dans le pays, c'est un régime mi-romiva qui établit une sorte de d'exploitation à outrance, paupérisation et en d'un pays. Faut dire que pas gagner l'école, pas gagner l'université, pas gagner l'hôpital, pas gagner absolument rien. Faut dire que la population, elle-même, est capable de bénéficier
des postes de travail. C'est dans l'optique ça. Nous disons, population, c'est vous-même qui avez responsabilité pour changer les conditions de vie et conditions matérielles de l'existence dans l'objectif ça. Nous disons, faut que toute population, tout secteur en la population, faut que vous décoller dans la bataille pour établir bien-être dans le pays, dans la bataille pour établir la démocratie dans le pays, pour que nous ayons un régime qui gagne comme mode de gouvernance des vols, pillages, assassinats. Voilà, conférence pour la presse, commission mobilisation pour respect constitution. Nous donnons le sénateur Yuri Latortue, M. André Michel et syndicaliste Dominique Saint-Éloi avec M. Isouik Théophane. L'autre conférence pour la presse, toujours dans le cadre de mobilisation, c'est FND qui rencontre la presse jeudi à responsable des affaires politiques Fonds national pour démocratie FND, professeur Victor Benoît, dans conférence pour la presse dans Jardin Kiskeya jeudi a déclaré gain deux points société a déjà d'accord sur yo faut que Jovenel Moïse quitte pouvoir 7 février 2021 mandat la bout ak nécessité tout pour renforcer stratégie mobilisation si Joka il t'a pété coquin pour faire tête raide pour rester dans palais. Dirigeant politique social-démocrate a tout profité occasion conférence pour la presse pour annoncer diverses rencontres équipe FNDA déjà organisée avec l'autre structure politique dans l'idée pour rapprocher position ça que pays a demandé depuis 10 d'antan sous affaire transition et n'a écouté intervention responsable affaires politiques dans FNDA professeur Victor Benoît dans conférence pour la presse côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. M'a tout d'abord préciser objectif conférence à n'a pas jeudi là. M'a commencé par rappeler que 7 décembre qui sont passé là, nous te bail en conférence de presse côté de présenter comité directeur là. Et là ça nous te prend un engagement. Qui engagement nous te prend? Nous te dit équipe FNDA qui pour le bâcher rencontrer tout l'autre pôle politique qui travaille pour même objectif mais pour une raison pour une autre qui pour qu'on mette d'accord sur plan d'ensemble. Nous même pas respect que nous gagne pour peuple haïtien. Par respect nous gagnons pour militants, nous pensons que le temps est venu pour nous dire dans qui point nous sommes dans le travail. Nous écrivons différents pôles politiques qui sont souterrains. Nous sommes capables de dire grand pile qui répond non, déjà. Et mieux que cela, grand pile nous chita, nous travaillons avec eux. Je ne peux pas dire tout le bagage est réglé, mais gros bagage, nous prions nous croire, pas gagner discussion sur les accords. Tout le monde d'accord sur une décision partagée. Il faut que M. Jovenel Moïse respecte la Constitution. En d'autres termes, 7 février. 7 février. 7 février. Le message est clair. Pas de discussion. On ne peut pas s'oublier sur ça. Non pas dans nous-mêmes. Non pas quand on chita avec vous. Si vous-même, vous voulez pour Jovenel rester. Il faut ça clair. Et m'a profité tout pour nous dire qu'on l'autre point que notre troupe était d'accord sur lui. Jean-Paul Libre aller et c'est par la mobilisation totale. Alors, au nom du comité directeur là, n'a dit tout le monde, au nom FND, il faut nous connaître bien que la conversation a continué, n'a continué de faire échange avec l'autre groupe. Je ne suis pas capable pour le moment de dire tout ce qui ça nous mettait de l'accord. Parce que nous pour les affaires, c'est toute organisation, toute leader qui chita en côté, ou bien campo au côté tout, ils mettent mon pied bois pour nous dire. À peuple haïtien, mais sous que ça le mettait d'accord. Mais pas oublier, il y a deux points, me dit non, par un désaccord sur eux, par une discussion sur eux. C'est date pour M. Jovenel, retirer quoi, le palais. Et deuxièmement, moyen pour nous faire les, nous pas mettre tête, c'est blanc à faire pour nous, c'est nous-mêmes qui vous faire les, par la mobilisation. Merci beaucoup. Voilà, professeur Victor Benoît, un dirigeant Fonds national pour démocratie FND. Intervention que tu as gagné dans la conférence pour la presse, c'est deux anciens députés, Aodon Bien-Aimé et Vickerson Garnier. Ancien député circonscription Tchotlan, Vickerson Garnier, fait un plaidoyer en faveur d'un organe qui pour créer, pour contrôler la transition, dans l'idée pour évaluer l'application feuille de route, il y a un gouvernement pour aller dans tête pays après. Jovenel Moïse finalé d'après lui-même et gouvernement pas doit gagner 3 pour la donne et pas plus que 14 ministres et qui doit répondre et satisfaire revendication masse populaire pour ça qui gagne à ouais ak moun qui victime massacre je parlais de nécessité pour la justice en fonctionner ancien parlementaire a fait un plaidoyer pour gagner une conférence nationale qui grand moun tête li côté toute force nation doit chita ensemble
pour yo débattre de véritables problèmes pays et solutions pour porter. Bon côté parle l'autre ancien député circonscription Serka Caval a Odon bien-aimé et rappelé Jovenel Moïse rete 17 jours selon article 134-2 constitution et pays qui en application coordonnateur en après FNDA annoncé dans 2 jours pour pipiti proposition tête ensemble non en tout un secteur non opposition finalement apparaître d'après ça le promettre et député Odon et pour transition y a bien pour publier et yon après l'autre d'après d'ancien député Tiot non Vickerson Garnier ak ancien député Serka Caval là et Aodon bien-aimé conférence pour la presse côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. On dit la transition ça faut gain représentants différents départements yo différents couches en dans structure transition qui pourra contrôler c'est ça nous relé organe contrôle transition faut gain organe qui contrôle transition parce que si premier ministre 14 ministres qui pas gain nous baillons des feuilles de route et si dans feuilles de route là non moment bien déterminé nous pas garder revendication militant yo revendication masse là revendication sans moun yo qui coulait la saline donc pile militant qui victime donc depuis que pas gagné moun k'ap fait contrôle qui pour garder est-ce que premier ministre est-ce que moun qui au command yo notamment magistrat yo que qui doit normal journal mettre pile moun en connivence ensemble avec lui faut dire que nous restaurer la démocratie et faut nous connaître un sujet gagne un mot qui est extrêmement important pour nous-mêmes militaires, c'est ça nous les conférences nationales souveraines. Dans environ 17 jours encore, l'article 134.2 de la Constitution doit respecter à la lettre. Même millions, président Trump a commencé à faire chicane tout après l'élection. Joe Biden a fini de remporter aux États-Unis. Il ne peut pas aller, mais au fur et à mesure que les joueurs rapprochés, il a des raisons. On croit n'a dit à zami président Jovenel yo au fur et à mesure que n'a quitté ligne 17 pour venir 16 pour venir 15 pour venir 14 pour venir 12 faut que président a des raisons et pour lancer un appel pressé à force vive nation et la classe politique en particulier qui était divisée mais jodi a tout le poli a commencé à réunir. Tout le poli a commencé à conjuguer et faire ensemble. Et comme de fait, il y a plusieurs propositions sur la table. Et propositions ont commencé à concilier. Et peut-être, s'il va venir deux qu'on y a été, plusieurs, peut-être qu'il y a été deux. Et je pense d'ici jeudi à demain, pour avoir une proposition unique. Une proposition unique entre tout le poli opposition et puis soumettre les bails nationaux. Pour dire, mais qui route pays à faire à partir de 7 février, pour aller là. Député Aodo bien-aimé, avec Vickerson Garnier, qui est ensemble avec le professeur Victor Benoît, dans la conférence, et pour la presse, c'est conférence FND. Et parmi les personnalités qui étaient là, il y a ancien député Marchand de Saline, Mopod Serge Jean-Louis, et militant politique Mackenson éprimé, Francisco Alcide, Pierre Richard Timogène, pour citer personnalité ça yo, seulement d'après ça reporter nous et préciser Hervé Noël. L'autre conférence pour la presse organisation sociopolitique Vive Haïti rencontrer la presse pour un pinga by tout le monde qui t'a voulu vin gâter manifestation qui prévoit pour fête demain qui doit al bout devant ambassade américaine pour un message by nouveau président américain Joe Biden. Selon Ronnie Timothée, qui est porte-parole organisation Vive Haïti, a bien plusieurs branches, bon, là, bah, tout en détail, qui doit aller bout devant l'ambassade là. Et côté manifestation, il y a bien pour délivrer un message, bah, nouvelle administration démocrate là, et pour dire attention, marcher sous pingal pour le papier, les cils, te connaît, dans ça qui concernait appui, pouvoir être calé à, sous pouvoir. N'attendez Ronnie Timothée, dans la conférence pour la presse, côté Amos Breville, tu es présent pour Radio Kiskeya. Il y a dans la rue pour y aller dire avec Madame Simpson, Baba et Nicole. Parce que dans bon logique, c'est lui-même qui t'a supporté Jovenel Mante, président gang, dans toute l'orbeille, dans toute dérive, dans toute gagotte, et même dans l'association gang ça. Il y a les G9 qui ont été campés, donc il y a un point de la donne. Et tout, on a dit avec nouveau eh bien, ambassadeur ou ambassadrice, son monde qui plus ou moins pour aller gagner.
amour pour pays d'Haïti. Nous va dire là pour aimer pays d'Haïti même Jacques Lacaille, mais au moins son monde qui ont minimum sentiment pour pays d'Haïti, parce que faut songer peuple américain avec peuple haïtien, c'est le général la police. Pour dire nous pas prendre aucun bout de terrain, parce que pas aucun côté dans moment loi pays qui baille moun droit pour dire peuple haïtien gen koto pas ka manifester. N'importe moun pouvoir voyer vinn font petit bagaille à pas en dedans manifestation, pour responsabilité nous pour font petit bagaille à pas avec. N'importe moun tout qui pensait yo capable vinn craser manifestation, nous doit kembe yo. Nous parlons avec yo, nous font petit dialogue spécial avec yo et puis ça ka prêté ya pour nous remettre li bay la police. Mission manifestation ça demain s'il veut, c'est river devant ambassade américaine avec foule moun yo, parce que son exhibition que nous va faire. Ces premiers rapports de force nous va le montrer avec nouvelle administration ça qui va le monter là, c'est pour le faire bien. Avait dit demain s'il veut. Nous gain rendez-vous pour nous aller en foule. Avait dit ouais demain s'il veut, nous va aucun des autres fêtes parce que foule cap river ya faut le river pour le monde entier. Ouais quantité moun qui va le dire Jovenel Mante président gang. Même si on a appliqué, eh bien, deuxième le 10 janvier, pour parlementer, eh bien, le peuple a pu appliquer le pour. Et c'est non logique, ça a tout. Nous tout profiter de l'espace pour nous parler de l'institution. Normalement, nous avons clairement dit, à partir du 6 février, à minuit pile, mandat Jovenel Mante, président gang fini, nous venons là pour nous dire avec l'institution, il faut faire le peuple sentir. Numéro 1, vive Haïti à peuple haïtien, après tant de tweets de la Cour de cassation, qui te font long silence concernant les gens qui te font massacre la Saline, massacre Belé, massacre en dedans quartier populaire. Malgré yo gen mandat de yo, la police pas jamais arrêté yo, mais on pas jamais prononcé yo. Et en même temps tout, pour nous pas jamais ou te fait aucun eh bien résolution par rapport avec nèg qui gagoté l'argent pétro caribé. Et bien c'est pas la plus grosse occasion que yo va le gagner. 6 février à partir de minuit pile pour faire tweet sorti pour dire. Pour dire n'importe qui qui était là au-delà de 7 février, pour dire pas gain aucun l'argent, il y a pas autorisation pour décaisser. Et bien pour les yo fait l'obéi, fait gargote pour les pocho avant y aller. Parce que journée jodi là, Jovenel Mante, c'est élément qui c'est principal artisan qui crase toute institution nous. Journée jodi là, nous croyons que rete faire vidéo, rete changer bio, rete faire l'autre bagaille. Yo bon oui, mais ça yo beaucoup suffit. Les pas tout qu'a rassembler en bas monument Jean-Jacques Dessalines dans sous champ de masse et pourquoi pas place constitution pour nous prendre direction qu'a fou résistance tant et puis pour nous faire seul. Ou mon cap sur la plaine yo, retenne nous zone 3 mai. Retenne nous Bosso Genève, beaucoup Dimitri Vob yo mettez dehors. Retenne nous et bien sous zone aéroport. Retenne nous Gérald Bataille. Retenne nous Kafouita parce que le ou la façon faut nous river devant l'ambassade américaine pour nous livrer message final. Ronny Timothée, organisation sociopolitique Vive Haïti, Leslie Faro, yon membre fondateur organisation ça, mandé président respecter constitution. C'est pas démission la baye, c'est mandat qui finit. Bien au DG, coordonnateur Vive Haïti, continue critiquer Jovenel Moïse, qui t'a voulu montrer, li pap quitte pouvoir, jan que constitution mandé ça. Et yon même nan opposition, yon pap joué foi ça, d'après sa le article 134-2, qui doit appliquer coûte que coûte. Yon après l'autre, n'attendez Leslie Faro avec Biron Odige, toujours dans la conférence pour la presse, côté Amos Breville, t'es présent pour Radio Kiskeya. Mais organisation sociopolitique Vive Haïti a déploré et condamné à toute force les actes masculins, les actes criminels que certains policiers dans le commissariat de Port-au-Prince, côté yon, flité, yon spray, l'enjeu journaliste. Crime ça, il est condamnable jusqu'à la dernière rigueur. Nous même en deux dans sociopolitique, organisation sociopolitique Vive Haïti, nous condamner à toute force. Et nous avons dit journalistes, continuez à faire travail avec plus de détermination et encore beaucoup plus de professionnalisme. ZEP 81, pas étonné nous devant ça, policiers ça a fait, parce que c'est racine dictature. Oui. Nous continuons pour nous dire, constat que nous-mêmes nous faisons en dedans, organisation sociopolitique Vive Haïti, société a vécu un moment très difficile. Très difficile. Dans l'espace de deux jours, plus passer sept kidnappings faits dans le pays. Et puis, il y a des gens qui ont chanté quatre mois, vous dites depuis, Léon Charles vient dans la tête de la police là, kidnapping n'a baissé. Nous, c'est augmenté, la augmenté. Ça n'a pas étonné nous. Parce que Léon Charles, t'a démontré à clair en 2004, mi-2005, que le pas compétent pour te mettre sécurité dans le pays, c'est juste tempérament, il a exercé sur la police là, il a mis quatre boules dans la tête,
et puis monter dans quartier mobile al tirer moun côté laxisme yo permet que nous dit clairement yo complice dans ça qu'a fait en dedans pays en matière de sécurité yo pas répondre à vocation yo pas répondre à obligation c'est peut-être ça nous même en dedans organisation sociopolitique Vive Haïti nous exhorter société particulièrement organise droits humains qu'on est prendre note pour porter plainte spécialement pour moun sa yo. En parlant de Premier ministre, ministre intérieur, secrétaire d'État sécurité publique et directeur de la police. Là. Il est clair pour tout le monde, je ne veux dire, c'est complicité à ce qu'on fait là parce que je me dis, hein, et je prends quelle mesure pour remédier à la situation. Je finis pour me dire, droit dans la transition, pas gars sorti de là. 7 février, article 134.2a, il doit appliquer dans toute sa profondeur. Désobéissance civile. Dans toute sa profondeur. Équipe capable pour embrasser la transition. Ça. Tout aéroport, on allait devant l'ambassade américaine. Parce que peuple haïtien voulait parler avec nouvelle administration américaine. Nous voulons parler de Joe Biden. Joe Biden avec Kamala Harris. Et pendant la profiter tout, lancer des messages clairs avec Jovenel Moïse, quel que soit haïtien, particulièrement au monde de Jovenel, 7 février 2021, ou pas chef, ou pas président, ou après un simple citoyen haïtien, ou te fait affaire bien, ou al continuer à jouer la vie paisiblement. Ou te fait affaire mal, ou après disponible pour la justice. Ça une claire la donne. Cependant, si vous te constatez fin mandat député, fin mandat sénat, fin mandat pour la fois constater. La conférence pour la presse Vive Haïti, c'était Bion Odige Lestifao ak Roni Timote. Conférence pour la presse sur mobilisation, manifestation demain et conférence pour la presse Amos Breville te couvri pour Radio Kiskeya. En aller en province. Et Bala Tibonite d'abord, table concertation Bala Tibonite là dénoncé menace la mort, yo dit responsable table concertation et dans et zone ça a subi après manifestation 15 janvier à Kervin Jean-Pierre Walker Télémac ak Wesner Joseph et dit yo en bas menace pour tête position politique yo et yo prévoit toute une série de manifestations mouvement levé campé qui doit faire dans Bala Tibonite là pour faire Jovenel Moïse connaît mandat bout 7 février 2021 genre que constitution prévoit dans sens ça yo lancé une gros manifestation pour demain 20 janvier pour continuer mandé Jovenel Moïse by peuple haïtien possibilité pour respirer en bas kidnapping ak la misère. Milsan Madeus pour plus détails. Dirigeant TAP Concertation Bala Tibonite rencontré avec la presse mardi 19 janvier 2021 pour dénoncer menace la mort et dit qu'a pesé sous tête yo depuis après manifestation 15 janvier a. Responsable TAP Concertation Bala Tibonite lancé appel bay population pour venir participer dans manifestation qu'a démarré devant l'Élysée bicentenaire 20 janvier 2021. Kevin Jean-Pierre Walker Télémac ak Wesner Joseph mandé président Jovenel Moïse pas faire bouche longue. Quitte pouvoir 7 février 2021, Jean Constitution prévoit ça. Demain matin, si je vais à 9h devant l'Issé Bissatonea, si ma chaîne élève l'école, chauffeur taxi, donc ouvrier, donc ingénieur, avocat, n'attend tout le monde, on leur fait encore pour nous dire, résultat escompté par l'autre bagaille que Jovenel Moïse doit quitter le pays pour aller dans la pénitentiaire nationale le plus. Qui t'a fait marinade, qui t'a bon charbon pour faire éducation aux petites lits. Les deux petites filles là, machine, les mêmes corps, gaz, les baguettes, ils ont demandé 150 000 dollars. Est-ce que je dis à la nouvelle, ils ont nous là, épanoui? C'est possible. C'est camper sous des pieds pour nous manifester, pour nous protester jusqu'à ce que nous retirions le régime PHTK ça dans tête pour. Je dis à faire 2 années depuis Jovenel Mentet était débarqué à Saint-Marc. Côté il était pour mettre, eh bien, il t'a pas fait pont. Est-ce que nous avons un prophète dans Saint-Marc là? Il était pour mettre, il t'a fait carouma dans Saint-Marc. Qui ça nous a fait carouma dans Saint-Marc? En rien. Il était pour mettre, il t'a pas fait blocos. Qui ça nous a fait blocos? En rien. Et ça fait n'abriter, mobiliser jusqu'au bout. Dirigeant, table concertation. T'es tout profité critiquer moun qui voye wash à bouteille sous manifestation 15 janvier faire connait farine pas vinn dans même sac n'a fait connait Ronald Pierre c'est nouveau commissaire police arrondissement Saint-Marc li prête serment devant doyen tribunal premier instance Saint-Marc là maintenant Noé Pierre Lumacion lundi 15 janvier 2021 li remplacer commissaire Louis-Philippe Thomas qui pas même passé 3 mois dans tête commissariat Saint-Marc là Bala Tibonite Saint-Marc Milsan Madeus qu'est-ce qu'il y a. On a toujours été dans le département de la Tibonite, on a monté quoi elle est là dans la Tibonite. Nous, c'est révolutionnaire. C'est non une nouvelle structure qui paraît là sous scène
politique la Tibonite là, yo fait qu'on est déjà mobilisé pour descendre dans la rue demain et pour mandé Jovenel Moïse qui était pouvoir 7 février 2021 qui a venu là dans conférence pour bail pour la presse, ancien porte-parole Front Résistance la Tibonite là, Winter Etienne annoncé yo pap dans manifestation pacifique encore n'a cité après date y a prend la rue demain à partir de 21 janvier qui a venu là et si d'après ça le fait connait mouvement yo c'est voyer équipe tête calée à aller José Jean-Baptiste pour plus de détails. Dans un nouveau site qui porte nom nous c'est révolutionnaire ancien porte-parole Front Résistance la Tibonite Winter Etienne qui t'a participé dans bataille pour renverser régime Lavalas en 2004 fait connait demain mercredi 20 janvier ces dernières manifestations pacifiques qui a gagné pour faire pour demander président Jovenel Moïse à l'école sous pouvoir. Winter Etienne dit il a déjà mobilisé toutes les ressources pour aller affronter pouvoir tête caléa qui t'a censé fin craser pays. Winter Etienne. Nous dit déjà que mouvement pacifique l'a fini demain s'il veut pour nous-mêmes. À partir de 21, c'est l'autre niveau. Et nous ne pouvons pas le coup de voiler là, mais c'est l'autre niveau là. Affaire pacifique là, Jovenel ne peut pas aller. Si tu es pacifique, tu es congé de Jovenel, il est allé déjà. Jovenel sont assassins, criminels, mais sous le monde l'a parlé, il a même quitté le président. Eh bien, Raymond Fou fini. États-Unis finirait mon fou là et nous même en Haïti la finirait mon fou. Ou dire notre niveau, nous gain moyen. Nous toujours gain moyen. Rapporto te prend massacre déjà, rapporto pas jamais quitter nèg une massacre sur lui encore. Nous gain moyen logistique, nous gain moyen mystique, nous gain tout moyen. Allô balé, c'est allô. Allô balé, je veux. Demain si Dieu veut, vin pour nous même pacifique à fini. Ancien porte-parole Front Résistance la Tibonite là Winter Etienne fait déclaration ça yo journée mardi 19 janvier 2021 dans une conférence pour la presse côté yo t'a fixé position yo sous transition qui t'a dû prendre pays après départ chef l'état 7 février 2021 cap marqué date fin mandat 5 ans président Jovenel là Gonaïve José Jean-Baptiste Kiskeya. La pointe direction sud côté ancien président chambre député à député Charles Chancy qui à la tête une nouvelle structure politique et qui est AC Alliance pour sauver société à sans exclusion te trouver dans sud côté l'ital présenté parti politique Lyon et 17 janvier qui s'est passé là le week-end passé à porte-parole nouvelle structure ça et ancien président chambre député à député Chancy fait qu'on est li engagé avec parti politique là dans bataille pour faire politique yon l'autre gen d'après ça le fait qu'on est côté personne monde pas doué paladin li fait un plaidoyer en faveur tête ensemble dans mitan tout secteur pour changer pays à Jean c'est nos esprits pour plus de détails. Yote plusieurs centaines membres sud en action pour changement sage une organisation qui travaille dans social qui soutient dans 19 communes à travers le département sud là et qui appuie politique nouveau parti politique ça est présent dans cadre lancement ça assez pas créé pour venir faire un parti politique en plus en dans pays assez créé pour venir faire politique là une autre façon nous t'a répété là porte parole coordonnateur national nouvelle structure politique ça Charles Chancy qui estimait pays d'Haïti gagne trois divisions prêcher tête ensemble dans mitan tout secteur en dans pays là. Ancien député Henry a ouais déjà assez comme une assemblée. On a assez la en politique sans exclusion. Groupe qui marginalisé, assez pas culpabilisé ni retiré responsabilité pâle. Assez vin dire que je dis à l'important dans l'autre bagage pour faire. Responsabilité qu'on gagne, c'est côté son gagne, connaissance, force, capacité, soyez pour coller tête ensemble. Pour changer pays ça. Et pour changer, il faut changer en deux systèmes. Si on campe dehors, si on doit parler dans le ciel, on n'a pas besoin d'apporter solution. Ça fait jeudi, c'est la seule raison que nous engageons dans la bataille ça. Nous pas engager pour contre nous, nous engageons envers nous. Depuis après création, le département sud-là, c'est le quatrième département, Alliance pour une société sans exclusion, déjà lancé après le département nord-ouest, centre et la Tibonite. Je sais nos d'esprit pour Radio Kiskeya. Vilokay. N'a pour tourner l'actualité internationale là dans dernier discours qu'il fait avant quitter Maison Blanche dans demain matin bonheur Donald Trump paraît très ferme dans ça qui concerne la Chine, li accusé qui a fait un génocide contre minorité ouïghoure et li très intransigeant par rapport à Pékin, li dit tout, li bat l'estomac li d'après avoir pas fait aucune guerre
et pendant 4 ans, je passé dans tête pays, États-Unis, hyperpuissance militaire. Donald Trump fait un pile louange pour bilan long dans discours côté l'abdi peuple américain adieu dans extrait ça yo publié à partir de l'après-midi équipe Joe Biden nan bali raison dans ça qui concerne position ferme li gen par rapport à puissance chinoise non pendant yo critiqué toujours parti démocrate là diplomatie et unilatérale li té mené côté le pas considéré et li pas bay allié li bon. Président américain qui pralé à 45e nan Donald Trump fait l'orange jodi a nan dernier discours là d'après avoir li n'a cité uni le monde et par rapport à la Chine et d'après avoir tout li pas fait aucun la guerre li pas lancé aucun l'autre guerre pendant mandat là c'est ça dit nan discours côté l'a dit peuple américain adieu peut-être au revoir de voir connait et nous t'est arrivé redynamiser alliance nou yo. Nous vivons uni nation yo sous planète là pour faire face à la Chine et ça pas jamais fait avant nous d'après ça affirmé selon extrait discours ça la presse rivé joine et selon Maison Blanche il a diffusé tout discours avant longtemps et moi est particulièrement fier d'être comme ce premier président américain depuis plusieurs décennies qui pas déclenché aucun nouveau la guerre sous planète là. D'après ça, milliardaire républicain fait connaître. Chef l'État qui pralé a dit la prier pour administration démocrate là qui pral prendre pouvoir à partir de demain. Il dit n'a prié pour future administration de Biden, mais il pas cité nom de Biden, il dit future administration, il pas mentionné nom et futur président. M'a prié pour le réussir pour Québec pays en sécurité et pour peuple américain vivre dans la vie meilleur à faire bon. Prospérité. Nous présenter tout vœu, nous gagner plus bon vœu pour nouveau administration et nous souhaiter tout bonne chance. Un mot qui très important dans bouche Donald Trump et c'est ça le déclarer concernant nouvelle administration qui va venir alors que le pape assisté dans cérémonie prestation serment demain à midi et c'est pour la première fois depuis plus que un siècle ça arrivait. Dernière fois ça s'est arrivé c'était dans 19e siècle. Alors, ce que m'a préparé pour me remettre en pouvoir, bah, une nouvelle administration, me voulait que nous connaissions, mouvement, ça, comme de commencer, à et c'est pas, c'est dans le commencement nié, il pas dans le commencement seulement, il dit, dans le commencement, mouvement de commencer, à d'après ça, Donald Trump fait connaître, qui refusait toujours pour le reconnaître formellement, que le perdu pouvoir, et que l'autre président était élu, dans l'élection et 3 novembre. Donald Trump a raison et d'après avoir lui montré très ferme par rapport à la Chine, c'est ça futur patron diplomatie américaine Anthony Blinken qui c'est un parfait francophone déclaré et jodi a dans Sénat américain Joe Biden pendant que pas d'accord avec stratégie et Donald Trump te gagne dans diplomatie côté le pas occupé de allié lui. Mais d'accord avec fermeté par rapport à la Chine. Anthony Blinken qui est le prochain secrétaire d'État, cependant estimé fermeté ça, il doit chita sur une diplomatie qui est différente par rapport à la diplomatie de Donald Trump tapené unilatéraliste non et que reproché gouvernement républicain. Nous devons faire face avec la Chine à partir d'une position qui chita sous force, pas d'une position de faiblesse. D'après ça, futur patron diplomatie américaine a déclaré et le fait connaître ça veut dire pour nous travailler avec alliés nous yo au lieu pour nous dénigrer pour nous faiblir ça veut dire pour nous participer et pour nous mener institutions internationales yo au lieu pour nous retirer quoi là-dedans yo d'après ça le dit en plus de sa future secrétaire d'état Joe Biden non dit lui partager tout accusation génocide et Donald Trump et faire contre la Chine dans ça qui concernait minorité musulmane ouïghour et dans discours il publié journée jeudi dernier discours et pour dernier journée il passait dans Maison Blanche là c'est opinion pam tout d'après ça Anthony Blinken déclaré pendant audition jeudi il t'a passé devant Sénat et qui t'a demandé il t'a posé la question est-ce que d'accord avec mot génocide là dans ça qui concernait ouïghour en Chine faut que on dit Donald Trump a préparé pour aller dans résidence hiverli luxueuse résidence qui gagne dans état Floride la Mar-a-Lago. C'est un cahier qui a 58 chambres, 33 salles de bain, 5 cours de tennis et un golf.